Salut à tous pour ce petit stream sauvage du vendredi matin, matinal, voilà, mais je ne pouvais pas résister à l'appel du Viking, c'était pas possible, voilà, vous le saviez, je vous avais prévenu un petit peu à l'avance, je vous avais éventuellement, parce que j'avais pas les dates, je savais pas exactement quand j'allais avoir le DLC, donc le voilà, je l'ai testé hier soir sur Quest, puisque je ne pouvais pas faire autrement, en offline évidemment, et là maintenant on va le découvrir sur la version, alors je l'ai pas lancé encore sur la version Steam, je l'ai juste fait en version Quest, native hein. Puisqu'il est disponible sur tous les supports du jeu, enfin où le jeu est disponible évidemment. Ouais, je passe vite fait là parce que hein, on va quand même faire la procédure normale. Pour ceux qui ne connaissent pas Ragnarok, voilà. Je rappelle que le jeu est à gagner au passage sur ma chaîne YouTube, donc il y a une petite review du jeu, une petite présentation rapide pour vous, enfin. On va dire résumé du jeu pour que vous puissiez, si vous ne connaissez pas, voir à quoi ça ressemble. Je vous ai donné un petit peu mon point de vue et mon avis. Et puis, dans les commentaires, vous pouvez participer pour gagner le jeu sur Quest. Il y aura plus tard une version aussi sur Steam, mais ça, c'est dans une deuxième étape. Pour l'instant, ça sera la version Quest à gagner. Donc, n'hésitez pas, jusque début de semaine prochaine, mon prochain live où je ferai le tirage au sort. Voilà. Donc cette petite, ce petit raid comme ils appellent, c'est un DLC en fait, qui va vous rajouter entre autres 6 musiques et quelques petits trucs que j'ai pu voir. On va regarder ça ensemble, on va analyser un petit peu les petites nouveautés que j'ai pu remarquer. Bougez pas, alors hop, on va passer dans le jeu, voilà. Alors globalement pas de gros changements. Coucou dans le chat, pardon, j'étais parti à fond moi, je suis pas encore tout bien. Alors salut Moï, Yamete, Re, Ocellus qui est dans, voilà, rip à ton casque aussi encore. Donc, on va reprendre le truc de base. Je reviens, voilà. Les changements, j'ai remarqué au niveau du profil. Là, ça y est, on a plus d'avatars au choix. On peut créer plusieurs profils. Et ça, de mémoire, j'ai pas fait attention peut-être, c'était juste avant. Mais voilà, on peut changer son avatar et avoir plusieurs profils. Alors je sais pas si c'est venu du coup avec le raid ou si c'était juste la version d'avant, j'ai pas fait attention. Mais non, mais apparemment c'est venu avec le raid. Ou enfin, avec la mise à jour, pas réellement avec le raid. En fait, il y a eu une mise à jour, donc le raid, pour que le raid fonctionne. Et je pense qu'ils en ont profité pour faire quelques petits ajustements et petits... Voilà. Il me semble. À confirmer. En tous les cas, ça pour moi c'est nouveau et je vois que voilà, on peut choisir plein de nouveaux avatars qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait le choix entre homme-femme, on va dire, et voilà. Et on n'avait pas la possibilité de faire plusieurs profils, ce qui est cool. Voilà. Mais ça ils avaient dit hein, dans la roadmap, ça allait arriver, mais je savais pas que c'était déjà disponible avec la mise à jour du moment. En tous les cas, c'est bien cool et le jeu évolue très vite. Alors, qu'est-ce qui change après? Ben, moi, ce que j'ai pu remarquer à part ça, c'est-à-dire voilà, vous avez maintenant. Le DLC, pour mémoire, il est à 5€ avec toutes les musiques sur Quest. Donc c'est un DLC payant, hein, c'est ce qu'ils appellent le raid. C'est 5€ sur Quest, donc vous avez les 6 chansons qui sont là. Vous avez, je sais pas si vous avez remarqué, ce qu'ils avaient annoncé, c'est qu'il y a une chanson qui est en mode marathon, c'est-à-dire 12 minutes. Voilà, alors je sais pas si je vais la faire aujourd'hui, en tout cas on va essayer. C'est-à-dire c'est une musique qui dure non-stop 12 minutes, hein, je précise. Et si vous la faites en niveau 10, je vous dis pas le truc. Je l'ai pas encore testé. Pour l'instant, j'ai fait les deux premières sur mon quest hier soir. J'ai pas eu le temps de faire plus. Mais j'ai aussi remarqué quelques petits changements aussi dans le jeu lui-même. Alors, on va voir si sur Steam c'est pareil. J'imagine que oui. Je pense pas qu'ils aient fait des changements sur Quest et pas sur Steam. Mais il y avait un petit changement. On va regarder ça. Tout de suite. Ça ne change pas. Donc voilà, c'est cet album-là qui est avec 6 chansons. Donc le groupe Gloryhammer, mais ça on le savait avec le trailer, donc ces 6 chansons là qui sont nouvelles. Pour environ 5€ sur Quest, vous pouvez les acheter séparément si par exemple vous voulez pas les autres, vous en voulez qu'une. Par exemple je dis vous voulez la 12 minutes et vous voulez pas les autres, vous pouvez l'acheter séparément, elle vous sera un peu plus cher. De mémoire elle est à 2€ je crois la chanson seule. Hein. Et si vous achetez le pack, c'est à 5€. Et sur Steam c'est un poil plus cher, le pack est à 5,49€ je crois. Et pareil, si vous achetez séparément, ça revient un petit peu plus cher à la pièce on va dire, comme d'habitude. Hein. Voilà pour le bilan un petit peu de ce que j'ai pu voir. Maintenant, on va passer aux choses concrètes. On va passer dans la musique. J'ai pas demandé si on m'entendait bien d'ailleurs, mais en fait, vous en foutez, hein, c'est ça. Je parle, ça se trouve tout seul dans mon coin. Personne m'entend. Eh oh. Bon, je sais, c'est le matin. Alors,
Est-ce que Yamete, toi, le modo, tu peux me dire si. D'ailleurs, je sais pas si. Est-ce que je t'ai mis modo sur Twitch? Faudrait que tu me redises parce que il me semble que. Je me souviens plus. On rectifiera ça si jamais. Allez, on va partir sur une musique pour se réveiller un petit peu. Alors, hop, on va mettre comme ça. Alors, on est bien là. Après, à part, vous allez voir ce que j'ai remarqué la dernière fois. On va voir ça tout de suite. Ça, ceux qui ont l'habitude de jouer à Ragnarok, si c'est le cas là, vous allez le voir tout de suite. Ils ont fait un petit changement en solo. Ça m'a pas choqué, ça m'a, disons, j'ai remarqué tout de suite quand j'ai joué hier sur Quest. Oui, voyez la petite horloge là-bas. En fait, ça vous indique où vous en êtes dans la chanson. Voilà, petit truc qu'ils ont ajouté. En tout cas, la musique très sympa, en tout cas avec le style du jeu, hein. C'est pas ce que j'écoute dans la vie, mais pour jouer c'est génial, vraiment ambiance, très bon choix je trouve, qui va bien avec le jeu. Regardez. J'en ai raté une. C'est pas possible. Que je vais faire, c'est comme je les ai pas encore. C'est la première fois que je l'ai fait sur Steam, hein, je l'avais fait sur Quest. Je commence par le petit niveau et après, comme ça, je fais les médailles d'or au fur et à mesure. On va en faire une de chaque pour l'instant. Et à la 12 minutes. Après ça reste un DLC, mais il y a eu des petits ajustements comme vous avez pu voir. Ça sera pour tout le monde. La petite horloge, hein, ça nous permet vraiment de visualiser très rapidement où on en est dans la chanson, si on est bientôt à la fin, ou on la voit là. Will you?
Moi, je vais déjà enlever ça tout de suite. Ah, j'ai fait tout de suite moins bien qu'hier. J'étais 6ème hier soir. Forcément. Mais bon, j'avais fait un moins bon score aussi. Ce soir, aujourd'hui. Ça, j'enlève. Alors. Hop. Alors, normalement, c'est bon. C'est parti. Alors, c'est bien parce qu'on fait la sélection de chansons suivantes. Hop. Ah, ils ont fait plein de petits détails comme ça, par-ci, par-là, quand même. Ils en ont profité pour faire des petits ajustements. Allez, c'est parti. On enchaîne la deuxième. Là, je commence les petits niveaux. C'est pour vous montrer. Ça change rien sur le fond. Après, on va voir une fois que... Comme ça, je fais... Petit à petit... C'est surtout pour les découvrir. Alors là, la deuxième, je la connais, je l'avais faite aussi hier soir. Sur Quest. Après, les prochaines, je les ai pas encore faites. Entre autres, surtout la 12 minutes. Ça réveille le matin. Alors là, quand on sait que c'est le niveau le plus faible de la musique, je pense qu'ils ont remonté un peu les niveaux. Parce que là, elle est pas dure, mais on sent que c'est déjà plus élevé que d'habitude. Je pense que la suite, les versions plus élevées, ça va être chaud. Oh,
Là, c'est fait. On va passer à la suite. Voilà, 45e mondial, ouais, pour l'instant. Capitaine Clou, je crois qu'il était très énervé. Il est arrivé d'entrée, il a dit « il va mettre tout le monde d'accord ». J'ai vu qu'il a fait toutes les musiques. Déjà, premier partout. Comme ça, il a marqué son territoire. Allez, suivante, c'est la 12 minutes. On va la faire pour plus tard. On va d'abord enchaîner avec les autres. Parce que on la garde pour le dernier. C'est parti. Alors celle-là, je la connais pas. Jim. Bon, on sent déjà la tendance. Là, je fais toutes les tous les premiers niveaux pour faire l'or rapidement. Enfin, je les fais dans l'ordre parce que si je fais pas tout et n'importe quoi, on sent déjà que le niveau par rapport à ce qu'il faisait au début, enfin les musiques d'origine de base, il est déjà plus élevé. Parce que là, on est sur du niveau 3, je rappelle.
Ce qui fait que déjà, il est un petit peu. Alors, c'est pas difficile pour l'instant parce qu'on a déjà l'habitude, mais quand même, je trouve que le niveau 3 est déjà plus élevé que d'habitude. Que je sais pas si je suis bien clair, mais qu'ils ont monté un peu les niveaux, comme pour les deux, les dernières qu'ils ont ajoutées, qui est en niveau 8, qui qui fait, qui envoie du pâté. Donc, j'ai dit que j'évitais là, l'autre celle-là. On va passer à la suivante. Donc, je trouve déjà ouais, que les niveaux sont un peu plus élevés. Ce qui est pas un mal, hein, mais c'est une remarque juste par rapport à ce que j'analyse en même temps. Je trouve qu'elle est. Voilà, je pense que les niveaux supérieurs vont être corsés. C'est parti, celle-là je la connais pas non plus. Et je me garde la 12 minutes juste après. Ah ouais. Quand on sait que c'est le niveau le plus faible, ça promet. J'ai peur pour la suite. Hein. La 12 minutes. Oh, oh, oh. J'ai hâte de l'essayer, mais. Faut se préparer. Je rappelle que je suis sur le plus petit niveau. Start now.
Ok, on sent que là, on n'est pas là pour rigoler. Il y a une nouvelle aussi, un nouveau. Ça, c'est quoi? Classement. C'est un classement des amis, classement mondial. Et ça, c'est rajouté par rapport à la dernière fois, au jeu d'avant. Enfin, normal, quoi. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Une petite maison. C'est quoi le classement perso? Qu'est-ce que ça peut être? Ça, je vois pas les différences. Bon, je commence à me réveiller là. Alors, je fasse gaffe parce que mon casque il va planter. Si je le manipule trop, il aime pas ça. Section de la musique suivante. Donc, on est sur celle-ci et ensuite il nous restera. Bah après, il est monté les niveaux évidemment. Ça paraît assez prometteur, mais surtout la 12 minutes. Je me garde pour la fin. Allez, 5 minutes quand même, celle-là, hein. L'air de rien. Je pense que le DLC est clairement orienté pour pas pour les débutants. Merde, je suis obligé de m'arrêter parce que voilà, le nez qui coule, ça m'a. Ouh! Désolé, faut que j'arrête en plein milieu. Ouh. Eh ben, ça promet. Je vous le dis, ça promet. Alors, ne plante pas, please! Je referai pour le score. Là, c'est un peu foiré. Là c'est en mode, là je la connais pas, je la découvre en même temps, ça me laissera de la marge pour me battre. Je les referai. Ah, je me replace. Ah. À 12 minutes, si tu rates des runes, ça pique. Tu la recommences. Voilà, ça a déjà fait 5 minutes, plus de 5 minutes.
pas faire ça. J'espère quand même que j'aurai l'or. Donc la petite horloge que vous voyez là-bas, ça c'est nouveau. Coucou Mars. Comment ça va? Alors j'ai presque tout fait en niveau facile, entre guillemets. Hein. Vous avez vu que le niveau facile, il est déjà costaud. Ouais, j'étais super motivé. J'avais hâte, j'aurais voulu le faire hier soir, mais bon, je pouvais pas techniquement. Donc ce matin, tôt, j'ai pas pu résister, donc voilà. Et comme au début, je savais pas quand j'allais avoir mes DLC, quand ils sortiraient exactement disponibles, donc j'ai préféré pas donner de date ni de moment précis. Enfin, j'ai dit environ. J'ai dit que je ferais ce matin, et voilà. Donc là, je les ai fait toutes les premières, sauf la 12 minutes. On va s'attaquer à la 12 minutes. J'aurais fait tous les niveaux faciles que vous avez... Alors, ceux qui ont l'habitude, vous avez remarqué que le niveau facile, il est déjà moins facile que d'habitude. Donc j'imagine que les niveaux 5, etc. au-dessus, va falloir s'accrocher. Surtout que les durées, la moyenne, sont quand même pas mal. Hein. Là, on est sur du 5 minutes, 4 minutes 26. Alors, on passe à ça, c'est la marathon, ce qu'ils appellent la marathon, 12 minutes et quelques. Je vais m'y mettre maintenant. 3 minutes 59, c'est la plus courte, je crois. Et après, 4 minutes 48, 5 minutes, c'est que des musiques plus longues. Hein. 5 minutes, ça commence déjà à faire. Hein, quand on commence à, surtout sur un niveau plus élevé, j'imagine que ça va commencer à devenir assez physique. Allez. Bah, celle-là en niveau 10, je sais pas ce qu'ils ont préparé. 12 minutes en niveau 10. Ouh! Effectivement, le mode marathon, comme ils l'appellent. Alors, je vais. Ah, attention, je pars sur 12 minutes. 12 minutes sur une musique. Non-stop. Alors là, c'est le plus petit niveau, mais comme vous avez pu remarquer, comme je l'ai dit, ils sont déjà plus élevés que d'habitude. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre. On va voir. Alors, je vais bien régler mon truc d'entrée. Pour être pas mal. Hop. Hop. Allez. On se contacte après si jamais, Mars, quand j'ai fini mon live. Comme ça, on regarde pour tout à l'heure, si jamais. C'est parti pour 12 minutes. We'll
non. Oh non. Oh la tristesse. Là, je dis pas je recommence 12 minutes. Ah, pour une prochaine fois. Encore à la moitié, hein. Bah non, c'est rien. Surtout que j'ai le petit niveau. On fera un niveau 10 une fois. En, en 12 minutes. Ils ont quand même prévu des petits moments de pause. Pour respirer. Moi je me régale de la musique, franchement ça va super avec le thème Ragnarok, hein, forcément. Ils ont fait des bons choix. Il va y avoir du challenge. Là, on est qu'au niveau le plus facile. Curieux de voir le niveau 10 en 12 minutes, hein.
Eh ben... Prometteur. Ils ont mis challenge. Ah, je suis à 63% de parfait. Une erreur, malheureusement. À refaire. 22e mondial pour l'instant. Évidemment, c'est le début. Hein. Je vais vite descendre dans le classement. Mais bon. Ah, il n'y a pas Capitaine Klo. Il n'a pas voulu faire. Hein, le... Donc voilà, j'ai fait une de chaque. Vous avez entendu les musiques. Je mettrai en replay. Alors, vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas vu, si vous voulez entendre les musiques qu'il y a. Bon, après, en même temps, c'est des musiques qui existent. Hein. Mais je vous le mettrai sur ma chaîne secondaire YouTube dans d'ici quelques temps, quelques heures, quelques jours. Parce que là, il est fort possible que le replay sur Twitch soit coupé, vu que c'est des musiques quand même connues. Alors, on verra par rapport aux droits, j'en sais rien. Mais en tous les cas, elle sera disponible complète, intégrale, avec le son, sur ma chaîne YouTube secondaire. Dans, on va dire, les jours qui viennent. Voilà, d'ici le week-end, j'imagine. Si j'arrive à tout faire ce que je dois faire. C'est bon, la musique, elle continue. Alors, on va rigoler, parce qu'on va monter un petit peu le niveau. Hein ? On va passer en niveau 6. Alors, quand vous avez vu le niveau déjà 3, c'est prometteur. Allez, celle-là, c'est combien ? 5 minutes. Ouais. Alors, c'est niveau 6, ça commence bien. Je sais pas qui, mais... J'ai même pas le temps de regarder le chat, tellement ça... C'est un niveau 6 énervé. Et je suis pas du tout dans le rythme, là. Ah. Je me recale. Ah! Ocellus. Okay.
pas, ça faisait longtemps ça. Ah, il fait tout pour me perturber. Ah merde! Oh non! Ah, même si j'ai fait l'or, elle est quand même énervée, la 6. Ah, ça se dépoule là! Ouais, je vais casser les tambours. Ah non, moi je mets l'énergie. Ah, j'ai fait 4 erreurs. Bon, après, le pourcentage de perfect est pas catastrophique. 2 millisecondes, je suis à peu près dans le truc. À améliorer. 15e. Oh, tiens, je suis juste derrière au Kappa. Elle est vraiment. Elle est vraiment. Vraiment elle est où elle? Tu la vois où? Alors, on a fait celle-ci, on va enchaîner. Celle-là, elle est plus courte, je crois. Attends, on va prendre une courte. 3, celle-là, hop, en niveau 6. Elles sont bien énervées, quand même. Hein. Elles sont bien énervées, ça. On y sont bien dans les... Ils sont déchaînés ce matin. On sent que c'est vendredi. Hein. Allez. Je vais rajouter le Haou là d'ici peu. Il y a l'Haou qui va venir s'ajouter. Vous avez remarqué, c'est niveau 6. Je me cale. Choper le tempo. Nothing.
c'est la première fois que je la fais. Enfin, dans ce niveau-là, en tout cas. Donc, c'est pas la même map. Ah ouais, c'est costaud, c'est costaud. Là, c'est que c'était une quoi? Une 6, hein. C'était juste une 6. Vingt-septième. Ah, il y en a quand même quelques-uns dans mes amis qui ont joué, un peu. Alors. Ça là, elle fait combien? 5,24, c'est un peu long. Je vais refaire. Alors ça, c'est la plus courte, c'est pratique pour faire les tests. Là encore une, on va faire juste pour voir. Je vais faire la première en 8, comme ça. Pour voir là. Là, attention, comme j'ai dit, ils ont vraiment monté les niveaux. Donc la 8, ça doit être assez costaud. Ah, ça a bugué? Ah non, c'est bon. Rigole pas là. Ma main gauche. Ah. Je suis à la limite avec ce système là, moi j'ai du mal avec ça. J'ai de ma main gauche. Ah. Oh putain, non. Il y a du challenge.
j'ai pas fait l'or. Ah. Ouais, j'ai fait trop d'erreurs. Putain, 27 erreurs, c'est énorme. Mais bon, allez. Elle est costaud. Moi j'aurais bien mis 8. Bon, en même temps, c'est la plus élevée des trois niveaux, mais quand même, pourquoi 8? Moi j'aurais mis 10 ou 9 au moins. C'est costaud. C'est faisable avec de l'entraînement de toute façon, hein, mais ouais, déjà le classement il tombe. Hein. Ah oui, Pigo, forcément, oui, donc. C'est pas la peine. Mais Pigo, il fait quoi, 7006? Ah, il est deuxième mondial quand même, pour l'instant. C'est bien, il reprend du poil de la bête. Lâche pas l'affaire, Pigo. Allez, encore une petite. Quelle heure qu'il est? Pas faire trop tard non plus, ouais, voilà. Ah, dommage que j'ai raté l'or. Enfin, je suis pas si loin, hein. Quelques erreurs là que j'ai fait de trop, là, vraiment. C'est toutes des erreurs, t'enchaînes et t'en rates trop à la fois. C'est pas une erreur, c'est en général 3-4 d'un coup. Parce que tu perds un... à ce niveau-là. Alors... Alors, on va essayer celle-là. Une petite dernière. Puis on y reviendra, de toute façon. A voir après, maintenant, la question est... Est-ce qu'on est obligé d'avoir le DLC pour jouer en multi? Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir le DLC pour jouer en multi? Ou est-ce qu'il y en a un qui fait le serveur et ça marche pour les autres? Mais j'imagine qu'il faut tous le DLC. On le saura vite. On le saura vite. Ouh! Alors, c'est parti. Donc je rappelle que je les mettrai en replay pour avoir tout le son. Sur ma chaîne YouTube que vous avez en bas dans la description de la chaîne. La chaîne secondaire, les replays. Si vous voulez profiter de la musique. Ce qui est sûr, c'est pas destiné aux débutants. C'est vraiment pour ceux qui ont déjà joué à Ragnar. Ils ont clairement monté le niveau. Merde.
j'ai l'heure. Là. Trop d'erreurs. Allez, je continue. Merde. Ah non! Non! Oh la cata à la fin! Oh non! Salut JM Prudent! Désolé, j'avais pas vu ton message, j'étais un peu concentré. Donc on teste le nouveau DLC, quelque part, hein, le raid, ce qu'ils appellent le raid, de Ragnarok, qui est sorti hier soir à 18h, voilà, sur Quest et sur Steam. Ouh. Et je rappelle au passage, si vous voulez gagner le jeu... Juste un petit truc. Oui. Y a Mathé qui disait dans les coulisses, heureusement qu'au début de la chanson, t'as dit que c'était pas pour les amateurs, alors que t'as pas arrêté de te planter pendant la chanson. Bravo. Quoi, je vais pas arrêter de me planter, j'ai quand même une médaille d'argent. je sais pas ça, t'as remarqué le niveau? Moi, tu dis ça à Yamate, c'est lui qui m'a dit, il arrête pas de se planter. Bravo. Bien joué. Ouais. Je t'en prie, Yamate, viens jouer. Alors, une petite dernière, allez, parce que je suis motivé encore. Dommage, j'arrive pas à avoir les... Il va falloir que je m'entraîne pour avoir les... l'or. Tu dis quoi, Rise of the Chaos? Ouais, il me reste que la niveau 9 à faire. Allez, pour te faire plaisir, comme tu viens d'arriver. Ouais, Yamete. Ouais, Célus, bah t'inquiète pas, tu vas pouvoir. Ah, c'est toi qui l'as mappé, d'accord, je vois, je comprends. Tu veux me torturer, tu veux voir faire le cobaye, que je fasse le cobaye. Il y a des casques. Quoi? Je disais, on attend que notre petit Virtual Go nous fasse gagner des casques. Ouais, bah moi j'attends aussi un petit message à Meta, hein. Subliminal, coucou Meta. Allez, vous étiez énervé là dans le studio, hein. Pour faire les niveaux. Putain, j'ose pas la lancer la 9 quand j'ai vu comme j'ai galéré avec le niveau d'avant. Allez. On va essayer d'assurer, mais franchement, ça va être compliqué. J'ai eu un bug. Ah, j'ai eu un lag. Ah, désolé. Alors ça fait... C'est la première fois que j'ai depuis super longtemps. Je recommence. Là, j'ai eu un gros lag, là. Étrange. Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Mais tant mieux, tant mieux. J'ai eu... C'est la première fois que j'ai depuis très longtemps des lags. Pas calé. Allez. J'ai un décalage. Ouh là là. Effectivement, je m'y attendais en même temps. Allez, on se recentre. Ah. Oh, merde.
Ah non, je suis pas du tout dedans. Effectivement, elle est un peu corsée. En même temps, c'est un niveau 9, hein. Petit moment de repos. Voilà, on va de reprendre. Ah non, j'ai raté le boost. Au mauvais moment, il est revenu. Oh. Ah non. Attaque de rune. J'ai pas essayé la 12 minutes en niveau 10 encore. Hein. Je l'ai fait juste en niveau. Chaud. Bah bravo. On va avoir un challenge. Costaud. Hein. Mais après, c'est bien. Je vais pouvoir. Là, c'est la première fois que je la fais. Donc, va falloir que j'apprenne à m'entraîner un petit peu. On va la refaire. Pas aujourd'hui, mais je vais la refaire. J'ai amélioré mon score, forcément. Parce que là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup, beaucoup d'erreurs. Ça peut largement s'améliorer. Alors, quelle heure il est, là? Oh, allez, encore une. J'ai encore envie. Là, vraiment la dernière, parce qu'après, j'ai beaucoup de choses à faire. Celle-là, elle est longue. Pas la papa. Toc, toc, toc. Bon, c'est la moins longue, en fait. Bravo, en tout cas. Et merci encore au studio pour ce magnifique DLC. On va avoir du challenge, maintenant. Plus les petites mises à jour que j'ai vues, là, subtiles. Les petits trucs à droite, à gauche. Allez. Là, j'ai mis quoi? Niveau 5. Niveau 5, je l'avais pas fait. Ouais, non, je l'avais pas fait, celui-là. J'ai déjà perdu. Je reprends mes esprits. Ça fait quand même depuis 8h30 que je suis là, donc. Alors. Laquelle j'ai dit, celle-là? Ah, mais pourquoi j'ai mis ça? Yeah! Ah ouais? Ah bah, j'ai pas vu que j'avais ce nouveau marteau. Tiens, on va le tester. Mais qu'est-ce qui me manque d'ailleurs? Les fameux marteaux là. Très dur à avoir. Eh ben voilà, j'ai mon nouveau marteau. Je savais même pas, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un nouveau marteau. Mais... Oui. Faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais Aga est pas là, là, pour l'instant, non? Non, il est pas là encore. Je peux utiliser des mots normaux encore. Après, je vais parler en code, parce que... Il rebondit sur mes phrases. Alors, celle-là, j'avais dit, ouais. Allez. Non, c'est pas celle-là que j'avais dit. C'est pas grave. Une que j'ai pas faite, quoi. Monter le niveau doucement.
qui est déjà bien corsé. Ah, ça c'est les nouveaux marteaux qu'on gagne avec le pack. Ah non! Pourquoi je fais ça? Je fais ça. Commence pas. Ah là là, trop bête. Ah.
Bon, moi j'aurais eu l'or, c'est déjà ça. Par contre, ouais, moins 12 millisecondes. Et c'est qu'une niveau 7. Ok. Ça va, faudrait que je la refasse parce que pas eu l'or. Non, pas 12. J'étais tenté à puis. Je la ferai celle-là, hein. Je l'ai déjà faite en facile. Enfin en normal, oui, en facile. Mais je vais toutes les faire de toute façon, mais. On s'en garde pour les prochaines fois aussi. Ah, je serais tenté d'en faire encore une. Quelle heure il est? J'ai du mal à. Ouais, je crois que je peux en faire encore une petite. Celle-là, en 5. Parce que je l'ai pas faite. On va peut-être ajuster un petit peu mes trucs parce que je suis pas au top. Plutôt plus bas. Ils sont pas mal ces marteaux, j'aime bien. Allez, cette fois ça sera le Valast. Ça commence mal. Oh non, mais c'est... Ah mmh.
Voilà. Ça c'est fait. Putain, Capitaine Claw, il a tout rushé, hein. La vache. Sans pitié. Deux erreurs de trop. Moins 6 millisecondes. Ouais, bah ça, je me laisse de la marge pour me battre. Après, c'est les premières fois quand on joue. C'est... On connaît pas les maps. Je sais pas si tu l'es toujours là, j'aime Prudence. Je vais juste savoir si jamais tu pouvais me dire... la dernière, la petite maison là qui a été rajoutée. Si c'est quoi le score perso, comment ça marche? Parce que ça, c'est son score avec ses amis. Ça, c'est le score record mondial. Et ça, je vois pas le... C'est le même normalement, son record personnel, mais score sur le casque en local. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a un mode. Attends. Je reviens là. Ah oui, oui, d'accord. Je vois le. Ouais. Ok. Oui, oui, effectivement. Oui, parce que là, c'est comme je disais au début du stream, il y a ça qui a été ajouté. Donc plusieurs profils. D'accord. Ok. Je comprends. Effectivement. C'est cool là les petits. Bon, je vais choisir un. Faut voir en multi si ça. On a vraiment le perso qui change. Parce que là on le voit pas. Attends. Ouais, j'aimais bien celui que j'avais là. Hop. Ok. Les scores ne sont visibles que dans les classements locaux. D'accord, bah tu vois, en plus ça marque. J'avais pas fait le test. Vu que là, pour l'instant, bon, y a personne qui prend mon casque. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal, parce que si je fais jouer quelqu'un, ça évite qu'il utilise mes scores. Enfin, qu'il peut avoir son propre score. Non, c'est bien ça. Bonne idée. C'est vrai que c'est utile quand on est plusieurs sur le même casque. Ça, c'est effectivement... Je vais laisser joueur 1, d'ailleurs. Comme c'est quelqu'un que je viens jouer... qui utilise mon casque, qui pourra utiliser ce profil là. Comment je peux faire? On va faire comment je vais l'appeler? Invité. Ouais, j'ai pas les accents. Je vais réfléchir à ce que je mets. Ok, voilà. On a vu un petit peu. Bah voilà, entre autres, ça faisait partie des petites améliorations. Il y a un nouveau. Alors, je vois qu'il y a un nouveau. Donc, il y a eu un nouveau marteau. Ça, c'est fait. Celui-là. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour changer de marteau. Tiens. Je reprenne un autre marteau. Pas trop longtemps que je jouais avec celui-là. Et puis, bah, je sais pas si vous avez des questions, dites-moi. Après, en multijoueur, je suis pas allé voir. Je pense pas qu'il y a eu des changements. Je vais checker, hein, on va voir si je fais ça, par exemple. La question que je me pose, c'est que je disais tout à l'heure, c'est... Mais je pense qu'il faut avoir tous le DLC pour jouer en multi. Parce qu'il y a des jeux où on peut jouer... du moment que le serveur il a le DLC, on va dire, et les autres peuvent y jouer sans avoir le DLC. Là, j'imagine qu'il faut qu'on ait tous le DLC pour que ça marche. Je suppose bien, je pense. À confirmer. On verra ça pendant les lives, mais j'imagine que oui. Petit détail qui peut... ok, mais bah, je vois pas de changement là, premier abord, à part... Ah, je vais juste voir, est-ce qu'il y a le... Vas-y, go. Ah oui, bah voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc là... Ah, on a classement, d'accord. Ça, c'est bien, ça. Voilà, il y a l'horloge, comme en solo. Maintenant, on a un classement en temps réel qui s'affiche. Ok, ça c'est nouveau, je voulais le checker. Oh, je vais pas faire la partie. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est la course. Est-ce que, par hasard, si je crée une partie, je fais n'importe quoi. Est-ce que derrière, il y a eu un changement? Non, c'est toujours les mêmes pictos. Je vois pas de changement particulier.
Ok, je check les petits détails que j'aurais pas vu. Bon, ok. Non, bah, je vois déjà ça, c'est bien. Il y a donc le classement qui est marqué en temps réel, là, affiché devant. Donc, on sait toujours si, pris dans la course, des fois, on sait plus trop où on est sur le classement. Le temps de la musique qui reste, avec l'horloge là qui s'affiche très facilement. On voit, en un coup d'œil, on voit tout de suite si on en est dans la musique, s'il y a la moitié, début à la fin. Voilà, ça, c'est comme en solo que j'ai vu tout à l'heure. Donc, ok, ça, c'est ajouté aussi en multi. Après, il y aura peut-être des choses en jouant en multi que je verrai, mais la première vue, c'est ce que je vois pour l'instant. S'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des choses encore à... Je vais supprimer. Ok. Non. Partie rapide. Ok. Non, je vois pas de changement au premier abord sur d'autres détails, c'était des choses qui étaient déjà avant. Donc les marteaux, un de plus. Voilà, ça c'est des petits trucs qu'on avait déjà avant. Ok, voilà, on a fait le tour un petit peu du DLC, du raid. Donc le raid Gloryhammer qui vient de sortir, donc hier soir. Qui marche sur Quest, hein, pour environ 5€ si vous prenez le pack, et après je crois que c'est à peu près 2€ si vous pouvez acheter les musiques séparément, mais je pense que ça vaut pas le coup d'acheter les musiques séparément, enfin, c'est mon avis, mais vu que ça coûte 2€ je crois la musique, vaut mieux acheter un pack à 5€ vis-à-vis 6, c'est pas intéressant d'acheter qu'une musique, vaut mieux acheter le pack pour quelques euros de plus. Pareil sur Steam, légèrement plus cher je crois sur Steam, doit être à 5, j'ai vu 5,49€ le pack, pareil musique ouais, c'est ça. Non, ça, moi je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter séparément. Après, chacun, voilà. Sauf si t'aimes pas vraiment pas les autres musiques, vraiment pas, mais c'est le même groupe. Alors bon, je me dis que si t'aimes une musique, tu dois aimer à peu près. Si t'aimes les musiques du groupe, tu les aimes globalement toutes. Et moi perso, je trouve que c'est plus intéressant d'acheter le pack, hein, 5€ au lieu de 2€ pièce sur 6, hein, ouais, clairement. On est plutôt à 12 même. Hein. Ouais, t'as raison, 11€ quelque chose, parce que c'est 1,99€, je crois. Exact. Bref, de toute façon, ça c'est au choix de chacun, et c'est bien qu'il y ait le choix, à la limite. Mais évidemment, le pack est quand même plus, clairement plus intéressant. Donc, sur Quest, le pack est à 5€ pour les 6 chansons que vous venez de voir. Plus, bon alors, les modifs là qu'on a vu, ça c'est du jeu, hein, c'est une mise à jour qu'il y a eu en même temps. Donc ça n'a pas à voir avec le pack. Mais pour les 6 chansons, dont celle du marathon, là, à 12 minutes, qui est intéressante, que j'offrais en mode plus élevé, là je l'avais fait en facile tout à l'heure. On va la faire après, on va monter en puissance. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah sur Steam, j'ai dit pareil, à peu près. Hein. On est à 5,49€ le pack. Et c'est pareil, un peu moins cher, je crois, par musique. Bref, de toute façon, c'est toujours intéressant de prendre le pack plutôt que prendre les musiques séparées. Mais vous avez le choix. À vous de voir. Ça, c'est votre choix personnel. Voilà, c'est tout. Vous avez vu à peu près, globalement, les nouvelles musiques, les petits ajustements qu'il y a eu. Bienvenue d'ailleurs, merci au studio encore mille fois, hein. Merci pour... Je rappelle, j'en profite, que grâce au studio que je remercie, un petit coucou au passage, vous aurez le jeu à gagner qui est en tirage au sort. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une review, donc une présentation du jeu rapide, hein, résumé pour vous présenter le jeu dans, voilà, avec un petit peu mes impressions. Donc... Vous n'avez plus qu'à participer, il n'y a pas grand chose à faire. Je vous ai mis tout ce qu'il y avait à faire sur la vidéo. Et bah voilà, tirage au sort semaine prochaine. Certainement, je pense lundi soir, 21h, à mon prochain live YouTube sur une de mes vidéos en début de soirée. Quand je commencerai le live, je ferai le tirage au sort. Comme je commence à faire maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Pour gagner les jeux, il y en a d'autres hein, que j'ai dans ma besace qui viendront par la suite. Mais pour l'instant, voilà, au compte-gouttes, j'essaie de les préparer. Donc, Ragnarok sur Quest, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller sur YouTube et participer. Et tirage au sort lundi soir. Voilà. Autrement, bah moi je vous donne rendez-vous donc lundi. Voilà. Lundi midi pour Beat Saber, ici même. Lundi soir sur YouTube à 21h pour le tirage au sort et pour le futur jeu que je n'ai pas encore validé. Mais il y aura un jeu lundi soir, hein, forcément. Et puis, la suite du programme, hein, je vous mets le programme comme d'habitude. N'hésitez pas à consulter le programme. Si vous avez des suggestions par rapport à ça ou autre, n'hésitez pas, je suis preneur.
et j'essaie de vous faire un programme que j'essaie de tenir au maximum. Évidemment, il peut y avoir des streams pas prévus, parce que ça, je peux pas m'engager des fois sur la longueur. Je préfère ne pas le mettre dans le programme et être sûr de tenir mon programme, plutôt que vous marquer des trucs et que je pourrais pas tenir. Mais ça veut pas dire qu'il y en aura pas plus. Voilà. Vous voyez, là, typiquement, j'ai fait un stream supplémentaire, pas prévu, même si je vous l'avais un petit peu spoilé. Je savais que j'avais... Voilà, mais bon, malheureusement, comme je savais pas quand j'aurais le DLC, je pouvais pas vous dire telle heure, tel jour. Donc j'ai préféré garder ceci en bonus. Voilà, merci au studio, merci à JM Prudent tout à l'heure qui est passé pour ta map costaud. Je vais m'entraîner parce que là, j'ai pas encore... Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, bon week-end, profitez bien et puis on se voit lundi. Voilà, en attendant, aou, toutou youtou et bon week-end. Ciao à tous. Hey viewer, t'es toujours là? Alors si tu as kiffé Virtual Moins Gros transpiré comme un buffle en chaleur, tu peux le suivre partout sur ses réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Amstramgram et sur tous les autres. Alors clique partout sur ses réseaux sociaux et le Virtual Moins Gros il sera content. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.